C'est un peu le porn food, mais sain. On a bien dit porn. Porn food. Attends, parce que là j'ai une bonne phrase pour ça. Ouais, quand j'étais en cours, en maths, j'étais pas très très... Si c'est du lait, tu mets le muesli d'abord et tu le noies sous le lait. Toujours le fromage. D'avoir le fromage blanc. Parce que le fromage blanc, en fait, doit être... la base, à la base du bol. Je verse le lait et je le mange directement. Je vais pas le laisser se ramollir. Il faut que ce soit croquant, mais quand même humide. Une minute. Même pas à 30 secondes. Ça absorbe. Ça serait une recette granola chocolat, banane et fraises sur un lit de fromage blanc. Avec des petits morceaux de cranberry, ça c'est une tuerie, ça c'est vraiment une tuerie. Je regarde pas trop la télé, donc je vais peut-être devant l'ordi. Je vais m'accorder une petite quinzaine de minutes pour me déguster ce que j'ai préparé. Notre maître Yoda. Maître Yoda. C'est le fondateur du muesli. Et donc nous, direct, hein, de lui à nous, on arrive. Du coup on se dit, mais nous on va créer un truc de fou. On va créer le muesli pour tout le monde. Donc tout le monde pourra prendre sa propre recette de muesli sur notre site. Et se dire, voilà, je vais mettre Nora, mon flocon d'avoine, mon truc. Et voilà, donc là, ça s'appelle le Muesli Boys Breakfast Club. Lait plus muesli. Ça sent bien. Non, faut pas que ça rime. Mais lait plus muesli, c'est... Non. Lait plus muesli, c'est de l'amour dans un bol. Eat good, be great.